I give to many people. Before this, before 2 months ago, I was a businessman. 2 years later, 3 years later, I call them, so and that's a broken system. Be at my wedding, and she came to my wedding. You know why? Ouais, depuis que Trump est président, je noie mes soucis dans l'alcool. Un peu de whisky, je prends du synthol aussi par moment pour changer un petit peu. J'ai même tenté de mettre fin à mes jours avec ce tabouret, en essayant de me taper la tête dessus. Ça, c'est mon salaire. Ouais, il est radin en plus. Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien, et re-bienvenue dans Mr. President. C'est le let's play qu'on avait laissé la dernière fois. Souvenez-vous, vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander de prendre la suite. Et bien voilà, depuis que Trump est président, je me suis dit que c'était une bonne raison pour reprendre le let's play. Bah ouais, parce que si c'était Hillary qui était élue, et bah ça aurait été bête de jouer à un jeu où faut sauver Donald Trump. Il aurait fallu que je trouve un autre jeu, vous voyez. Mais maintenant, plus de doute, c'est officiel, Donald Trump est président, donc regardez-le. Regardez-le, il est là. Il est là, hein. C'est lui, hein. Allez, va. $1 million, mon vieux. En vie ou mort, je prends. Il m'a payé 2 millions pour que j'aille le sauver. C'est parti, mon vieux. On reprend ici. Putain, c'est pas vrai. Bah ça y est, je me prends déjà les tonneaux dans la gueule. Et bah ça commence plutôt bien. Ah bah oui, il est mort. Bah voilà, Donald Trump président. Et bah les conséquences, ils sont là, mon vieux. Attends, bouge pas, je vais y aller avec le stick, tu vas voir. Regardez ça, mon vieux. Regardez ça, mon vieux. Oh merde. Oh dommage, c'était beau. Dommage, c'était beau. Putain, il est là-bas, il est dans le désert. Voilà les conséquences, regardez. Et ils l'applaudissent pas, hein. Ils l'applaudissent pas, ils sont en train de le huer, là. Ah putain, quand je vois ça, j'ai envie de... Chaim, sort de ce corps. Ah et puis merde, j'ai envie de le faire. Allez, vas-y, on saute dans le bain de foule. Oh putain. Regardez ça, il y en a plein qui m'a rattrapé. Ouais, c'est mon petit côté Shine. J'aime bien sauter dans la foule. Attention, c'est pas... Merde. Attention, c'est parti, on y va. Petit salto des familles. Regardez. Oh là là, comment que ça passe, crème. Merde. Non. Relève-toi. Vas-y, vas-y. Trop tard. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la cage? Rumpel Deports, this family of rapist. Ah d'accord, ok. Il est bien fait, ce jeu. Allez, on y retourne. Je vais vous montrer, moi, comment qu'on y va. Regardez, hop, hop, hop. Petit salto des familles. Petit salto. Et on y va, Trump. Sors de là, mon vieux. Voilà. Ça, c'est un sauvetage de l'extrême, mon vieux. Ça, c'est un sauvetage de professionnel. Alors, bodyguard save Rump. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Comment que... D'accord. D'accord, il a pas vu le tueur, en fait. Dégage de là, mon vieux. D'accord, putain, il est retombé debout et tout tranquille. Bouge pas, Trump. Reste là, je m'occupe de tout. Tu s'occupes de rien. J'arrive. Tiens. Allez, tu vas peut-être tomber. Putain, mon vieux, c'est bon. Il a raté son tir. Habillé en plus comme un assassin avec la capuche et tout, personne ne le remarque. Normal, au calme le mec. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? D'accord, mon vieux. Il vient de se prendre un hamburger sur la gueule. Deux hamburgers sur la gueule. Bah, ils sortent d'où ces hamburgers, mon vieux? Où est-ce qu'il tombe ce hamburger? Ah, d'accord. Ok, fais gaffe, Trump. Il y a un tacos qui va te tomber sur le coin de la gueule. Sors de là, mon vieux. Non. Oh bah. Oh, je suis parti carrément trop loin. Mon petit côté Shime, encore une fois. T'inquiète, je vais te sauver, Trump. Voilà, dégage de là, pars en arrière. Oh merde. Attendez, je l'ai sauvé, je crois. Je l'ai sauvé. C'est bon. Attends, mais c'est super chaud l'histoire des tacos. Comment que ça se passe? Je vais. D'accord, il y a l'ombre, c'est bon. J'ai vu l'ombre. Fais gaffe, Trump. Attends, je vais attendre le deuxième. Je vais. Bouge, il y en a un deuxième. Voilà, c'est bon. C'est bon là, y'en a pas un troisième si? Je l'ai sauvé des tacos maléfiques. Wouh! Petit. Ça va être chaud, mon vieux. Et là, si je te passe 3-4 saltos d'affilée, mon vieux, laisse tomber. Oh putain, oh regardez ça. Oh regardez ça, mon vieux. Oh! Oh ce que je t'ai fait! Oh! Dommage! Dommage parce que je t'avais fait une prouesse technique. Regardez, regardez la prouesse technique. Regardez la prouesse technique. Oh putain! Oh ce que je t'ai fait! Dégage de là, Trump! Voilà! Je t'ai sauvé. Je l'ai sauvé, c'est bon. Regardez-moi les conséquences de son élection. Le peuple est en furie, le peuple est en colère. Mais c'est vous qui l'avez élu, alors. Et j'aime bien parce qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, on parle de l'élection de Trump, bien sûr. Et les Français, ils font ha ha, les Américains, vous avez élu Trump. Ha ha ha, les Français, vous avez élu Hollande. Ha ha. Bah ouais, c'est pas faux. Allez, next level. Allez, va, je vais prendre un petit coup de whisky, tranquille. Un petit coup de synthol. Je me tape la tête deux fois contre le tabouret. Et on est parti, mon vieux. Ça, c'est le rituel. Promise to bring job back to America. Allez, c'est parti, let's go. Ok, d'accord. Oh. D'accord, ah putain, j'ai failli l'avoir sans le vouloir. Putain, regardez ça, il a embauché des petits chinois et tout pour travailler, mon vieux, laisse tomber. Ok, j'ai compris, vas-y, j'ai compris, bouge pas. T'inquiète. Vas-y, dégage de là, Trump. D'accord, attendez, c'est parti, je vais prendre le deuxième. Vas-y, au ralenti. Tranquille. Dégage de là, Trump. Voilà. C'est bon, impeccable. Oula, attends. Ah d'accord, il est là-bas. Ils l'ont foutu au bûcher. Putain, ce délire, mon vieux. Attends, c'est chaud, mon vieux. D'accord,
En fait, faut pas qu'il tombe dans le feu. Thank you, Captain Obvious. Dégage de là, Trump! Regardez le truc de malade que je tente. Non. Non, c'était complètement couillon, ça. Attention, le petit salto qui va bien, le saut des familles. Et dégage de là! Voilà! C'est bon, je l'ai eu. T'as de la chance que je suis là, mon vieux. Hilary serait fier de moi. Oh putain, il est là-bas. Attends. Il se délire. Comment que je vais faire, mon vieux? Petit salto des familles, mon vieux. Oh putain, mais ça va être chaud, mon vieux. Ça va être chaud. Attends, j'ai compris. Je sais comment je vais faire. Attention, c'est parti. Le petit saut des familles, dégage de là, Trump. Oh non. Petit saut des familles, t'as raison, dégage la casquette. Vas-y, dégage de là, Trump. C'est bon, t'es sauvé, mon vieux. Voilà, allez, c'est parti. J'ai même pas eu le temps d'observer la scène, voir ce qui se passait, j'ai rien compris, mon vieux. Ah ouais, d'accord. Il faut que je me prenne la balle, Je vais la prendre. Ah, je l'ai dévié. Ah, je l'ai pas assez dévié. Attendez, ça va être chaud. Ça va être chaud. Vas-y. Oh putain, mais comment que c'est chaud, franchement. Yes. Eh, franchement, il était chaud, celui-là. Trump. Où est-ce qu'il était, mon vieux? Attends, je l'ai même pas vu. Il est où? Il est tombé du ciel, mon vieux. Ah, il est là. Bah, il est con, mon vieux. Attends, comment que tu veux que je fasse ça? Ah oui, d'accord. D'accord. J'ai compris, je pense que il faut que je... D'accord, j'ai compris. Comment que je vais faire? Ah, il faut que je saute en même temps. D'accord, en fait, il faut que je saute et que je l'attrape comme ça. Oh putain, ça va être tendu, mon vieux. Ça va être super tendu. Vas-y, je vais le laisser approcher. Et je vais pas le laisser tomber. Trop tard. Faut que je l'empêche de tomber dans l'assiette de pâte, en fait. Je vais le laisser tomber. Vas-y, tombe. Non, Trump! Dégage! Oh putain, je l'ai loupé! Ok, c'est parti! Non! Attendez, ça se trouve, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah si, c'est ça qu'il faut faire. Yes! Je l'ai eu! C'est bon, on a fini le jeu, là? Have you accepted Rock into real life? Oui, bien écoutez, si vous êtes chaud pour une suite, laissez un petit like, un petit commentaire, un partage, ça me fait plaisir. Et puis, dites-moi si vous êtes chaud et on verra ce qui se cache derrière cette affiche pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et vive à l'Amérique! Ciao tout le monde, bye!